Salutations peuple de YouTube. Ah oui, alors je vais me faire un stream OBS bientôt. Je tiens à le signaler quand même, alors ça n'intéresse pas YouTube du tout, sauf ceux qui viennent en live. Mais on va se faire ce stream OBS, on va setup les synchronisations de scènes verticales avec les scènes horizontales, les zones de stream sur l'écran qui ont la priorité sur l'encodage, des effets de flou, des effets de transition, on va se faire chier, ça va être incroyable. Merci Bristol Dash pour les 90 ans, merci Enfonce le Clown pour le Prime, Totso pour le Prime, Kitty Stort 77 pour le Prime, Fini 29 pour le siècle. Ça va être énorme. Alors, comme je le disais précédemment, nous sommes proches. C'est pas du mytho. Nous sommes à 50 secrets d'avoir entièrement complété le jeu. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a perdre 30 défis du jour en... à la suite. Enfin, faire 30 défis du jour. Ensuite, en partie principale, en personnage. Bah, regardez comment on avançait. Les persos principaux, vous ne rêvez pas, sont quasiment faits. Je vais me prendre un coup de jus sur le micro. Et pour ce qui est des persos Tainted, nous n'avons pas le Greedier Mode sur Isaac. Le Greedier Mode sur Eve. Beaucoup de choses sur Lazarus, Tainted de merde. Mais sinon, même l'ignoble Tainted Jacob, c'est fait. On avance. Et par contre, les défis, on en a des milliards, tout simplement parce que j'ai volontairement ignoré une grande majorité des défis, car je considérais que la récompense n'en valait pas la chandelle et allait plutôt parasiter mon pool d'objets. Alors, ça va parasiter mon pool d'objets pour Tainted Lazarus, mais on va dire qu'on s'en fout un petit peu pour l'instant. C'est vrai qu'on a fait speed à Furax, c'était incroyable. Hein. Les 20 dernières minutes de l'event, on a réussi à le caler. Bon. Credit card, bah c'est pas si mal ça la credit card. Pour acheter un truc gratos. Alors Cursed c'est quoi? C'est que toutes les portes sont des portes de Cursed, c'est ça? Des portes à pic? Eh bien allons-y. C'est ça, on a une Magdalene. Alors la botte... Parce que c'est notre projet! Merci Vich79 pour le millénaire, 120 ans, 10 siècles, c'est historique. Merci beaucoup, hommage à Niort, bien sûr, Vich le Niortais. Merci Diazote, merci Edgar encore. Alors, donc, on en est où? On commence avec le foie cru, le raw liver, qui nous donne 2 points de vie. En plus, on a le Yum Heart en objet actif de Magdalene qui nous permet de nous soigner d'un cœur. Et on a tous les objets de mapping à part The Mind, mais c'est pas grave. On a donc la Treasure Map qui nous donne le layout de l'étage, la boussole qui nous donne la nature des pièces et la Blue Map qui nous donne les Secret Rooms. C'est formidable. Eh bien, allons-y. Notre premier objet sera de la vitesse, qui en vrai n'est pas si mal sur Magdalene, vu qu'elle commence à 0,85 de vitesse et se traîne le fiac. Alors évidemment, la grande question, c'est est-ce que je dois aller au plus vite? J'imagine que oui, si on avait des bombes, on serait passé directement en secret. Oh, c'est pas de la merde ça, la peau de chagrin. Remplace un réceptacle de cœur ou deux cœurs d'âme par un cœur brisé. Fait apparaître un objet qui provient de la banque d'objets de la salle. Ah mais c'est un actif? Si Isaac ne garde pas l'objet après l'avoir utilisé, il a une chance de remplacer les futurs objets de la partie. Mais c'est à chier. On va bypass le magasin. Oh, ça va être long. Ah, il m'a droppé un cœur. Eh bien, force à lui. Ah oui, on rappelle aussi que dans ces défis-là, je crois que dans l'intégralité des défis, on joue en difficulté normale. Et l'avantage de la difficulté normale, c'est qu'on a beaucoup plus de drops de cœur rouge, donc c'est quand même plus simple. Alors que Innocence glitched, hein, bien sûr. La bombe... Oh merde, j'aurais dû ressortir et l'utiliser, cette bombe, pour ouvrir la secret... Bon, en réalité,
Ouais, c'est le problème. Je crois que j'aurais pu le laisser pour aller le prendre plus tard. Tu veux pas aller là-bas pour me filer le... Ah mais non, mais quoi qu'on veut garder ce trinket là, en réalité. Ah par contre, le trinket de Bethany... Non mais on veut dropper plus de cœurs. Hein. C'est tout l'intérêt du trinket qu'on a actuellement, c'est de favoriser le drop de cœur rouge. Et je n'ai le droit qu'à un trinket. Hein. Non, oui, bah le problème c'est ça, on va devoir un petit peu tirer un trait sur tout ce qui est God Room, vu qu'on sera toujours touché... Quoique non, c'est les Cursed. Les Cursed Room ne comptent pas, il suffit juste de faire les étages sans se faire toucher, lol. Ensuite, bon, la difficulté du... Enfin, le endgame, la destination de ce défi, c'est le pied de maman, donc quand même. C'est jouable, non? Ça n'a pas l'air si compliqué. Sauf si on se fait vraiment hard troll par le drop d'objet. Mais avec le mapping intégral en plus, ça devrait l'effectuer quand même. Hein. Bon, vas-y, on fait ça proprement parce qu'on peut vite se faire submerger. Je pourrais le one-shot avec ma bombe, hein, mais on va être à l'économie. Allô? C'est quoi ces freezes? Pourquoi il y a eu des freezes? Merci, café froid. Alors, Sacrifice Room. Sacrifice Room, en vrai... Je suis pas sûr. Paraît quand même un peu risqué. Vu les conditions. Que c'est nul. Ok. Bon, déjà, ouais. Première difficulté, le jeu nous déteste. Ok, on va le faire. Ça se passe pas de manière optimale, on va pas se mentir, on a vu mieux. Bon, bah, le boss est gratos. Oh non, oh bah oui, bah moins 99%, voilà, mais c'est le problème, c'est que le boss est gratos, mais du coup on le respecte pas et on joue n'importe comment, bah voilà, super. Donc on aura pas de Devil Deal. De toute façon, le Devil Deal, clairement, on le prend jamais, vu qu'on a besoin d'un maximum de cœur. Mais on aurait pu se préparer pour une éventuelle God Room un jour, ça sera pas maintenant en tout cas. À moins que 1% ça soit 100%. En vrai. Ok, de bonnes stats. Bon bah les cœurs vont disparaître assez vite, merci. À moins que je trouve un passage direct vers le boss. Peu probable. Des grottes traditionnelles. J'ai pas de bombe, c'est dommage, j'avais un accès direct à l'objet. C'est ballot. Oh, allez, perdu pour perdu. Guppy's Collard. Gilbert Collard, évidemment, qu'on déteste tous. Nickel. Okay. Eh ben, nickel. Oh, c'est beau, mais c'est long. Ok, brah. Bon, on va chercher l'objet quand même, hein. C'est pas comme si on pouvait se payer le luxe de ne pas y aller le voir. Tant pis pour la protection éventuelle d'un demi-cœur bleu, qui était même pas possible, je crois, pour le boss. Non, je crois que la God Room, on la verra jamais, hein. Pour se faire une raison. Il est explosif, lui, c'est ça?
Le DPS vous manque, mais regardez l'item room. Extraordinaire. Je suis pas sûr. Mais en vrai, c'est beaucoup de stats. Non, c'est fine. Ah oui, j'ai... Quoi, mais quoi? Ah, j'avais pas vu que je prenais autant de dégâts. C'est un délire. Attends, mais il était overbuff, non, l'objet? Wow, 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 wow. Je suis passé à 5-8 de dégâts. C'est devenu giga fort, cette merde. Oh non. Est-ce qu'on a envie de coffre rouge? Bah, peut-être, en vrai. Ensuite, les coffres rouges, bon, ça drop beaucoup moins de cœur éternel. Ah oui, mais non, mais j'ai ça, j'ai pas le choix, en fait. C'est con, parce que j'y suis à 1 sur 3 de Guppy, donc on aurait pu se dire qu'en plus de pouvoir dropper des cœurs bleus... Mais bon... Bah, le problème, c'est que c'est ma survie, quoi. Le cœur d'enfant... Plus le fait qu'on joue en normal fait dropper énormément de cœurs rouges. C'est le nerf de la guerre. Bon allez, soyons fous. Oui, et puis c'est vrai que j'ai Yum Heart. Allez, soyons dingues. Oh non. Oh, je vais mal la placer. Oh, le malaise. C'est bon. Oh merde, je croyais que c'était la césarienne, eh. Ça reste intéressant. Parce qu'on peut avoir deux objets de boss, quoi. Ah mais du coup... Ah mais putain, c'est bon. Je croyais que c'était inactivable. Eh ben c'est nickel. Oh, la vie de rêve, eh. Bon, ça va peut-être sauver le run, ça. Je pense que j'aurais dû garder le cœur d'enfant parce que je sais pas ce que ça donne. C'est pas marqué la proba supplémentaire de dropper des coffres rouges. Mais j'ai moins unluck. Donc je pense sincèrement que je vais jamais voir un coffre de la run. Donc oui, j'aurais peut-être dû garder le cœur d'enfant. Hein. Pour aller au magasin, on va faire ça. Ah bah tiens, oui bah génial. Ben génial, bro. Bon, deux boss alors. Bah non, il est tout seul. Ah si. Ah mais c'est juste une fois où je vais le récupérer, le jumeau maléfique. Oui, bon bah hein. De toute façon, on avait dit que la God Room, ça allait être compliqué. C'est un peu anxiogène. Ok, très très cool. Très très cool. Ok, ouais, c'est bon, on est bien. Tous les boss... Ah oui, deux pieds de maman alors ? Oh là, l'objet est à l'opposé du boss, on a un choix à faire là. Oh là 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 là. Ils sont durs, hein. Durs en affaire. Pas pour les boss finaux. Oh bah ça va. J'ai quand même fait l'objet. Oh la grille danse. Oh ouais, j'ai envie de faire n'importe quoi. Normalement, c'était rush boss, là. Hein. Tous les jours. On va espérer dropper des cœurs rouges alors que je n'ai plus le cœur d'enfant. Ah, allez, Guppy. Le problème, c'est que Guppy's Head, je pourrais juste le toucher, pas l'embarquer avec moi. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Voilà. On rentabilise, enfin... Notre trajet n'a aucune conséquence au niveau de la vie. C'est formidable.
Ah bah oui. Mais je vais perdre de la portée alors que j'ai déjà le truc qui me refait la portée. Quoique ma portée est excellente en vrai. Oh et puis merde. Attends mais avec l'effet miroir ça... Je suis pas sûr. Ah si, ça fonctionne, ça fonctionne. Oh, en vrai, jure. Oh la dinguerie. Oh oui, oh la régène. Oh bah voilà. Oh putain, par contre, je fais des... c'est impossible de prévoir où je vais toucher, mais les dégâts ils sont là. Oh le merdier. Le bocal de n'importe quoi. Non. Bon bah la balade continue. Ah oui, la portée vous manque quand même. Oh là là. Oh, c'est pas clair mais ça fonctionne. Bon, j'ai quand même cherché cet objet. Et du coup, oui, bah oui, la TP dans la... Dans la... Ah bon, oui, mais là, oh la régène, oh la vie de rêve. C'est extraordinaire. C'est historique. C'est que le début. Oh, les items room, on n'a pas trop voyagé, hein. Bon, vas-y, hein, tant qu'à faire. Soyons cons jusqu'au bout. C'est que tout va se barrer, donc une fois de plus, on va pas faire pop cette putain de... Ce putain de Devil Dean. Oui, je l'avais pas ouvert par là, la secrète. Ah, en vrai... Ouais, vas-y, soyons smart. Ah, l'arcade, elle est free? Ah non. Ah non, parce que c'est pas là. Ah, non, c'est pas l'arcade. Ah oui, mais c'est quand même mieux. Je crois que non, je fais une traversée. Non, c'est vrai, non. Il y a un cœur rouge sur le chemin, on s'en fout. Je veux faire le gacha. Bah non, l'objet a chié. Bon, allez, on voyage. Ah, il y a personne. Bah alors? Oh bah nickel. Fous-toi de ma gueule. Ah bah nickel. On pourra acheter un truc un jour. C'est formidable. Voilà, il esquive tout. Ah bah, ah, mon Devil Deal, voilà. Ah, mon Devil Deal in my fiac. Ah, oh, double chub, ça va. On a plutôt été chanceux sur la distribution de boss, en vrai. Quoique non, le double cavalier de l'apocalypse, il était un peu anxiogène, quand même. C'est con de s'être fait toucher sur la salle d'avant, alors que je vais pas me faire toucher contre le boss. Qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça un peu dommage. Oh, le Squeezie. En légende, ça c'est nulos. Bon bah nickel. I'm free! Surtout avec la régène en plus. Oulala.
Secret Cursed. Vas-y, on va se balader quand même. Guppy, ça serait rigolo quand même. Ou juste des cœurs. Une récompense. Un objet démoniaque. Zinedine Zidane. Allez. Ok. Superbe. On est gâté. Toutes les crottes deviennent amicales. Terminer une salle invoque une crotte. C'est le colombin. C'est superbe. Ah, l'effet de mort, malgré le fait que... Ah ! Que je le prenne en entrant. Ne fait pas de dégâts aux ennemis. On va se calmer. Robot mouche, c'est pas dingue. Bon allez, j'ai les soldes, on va évidemment checker le magasin pour être déçu une fois de plus, ou se taper un super gridier. Enfin, un ultra grid. Enfin, super grid, je sais plus comment il s'appelle. Michel, quoi. Les pieds de maman tentent d'écraser Isaac pendant 60 secondes. C'est génial. Bah c'est con, j'ai fait mon item room, et bah dommage! Et bah nec! Ouais non, pff, ça vaut pas trop le coup de prendre le coupon en vrai. Ah sauf pour avoir les devil deal, le devil deal gratos, si un jour on a un devil deal, rien n'est moins sûr. Non non mais je garde ce que j'ai, on est très bien. Oh! Money! Alors peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Vu. Oh là là! Vous êtes excité. Vous avez vu quoi? Un rocher marqueur? Ils sont tout excités. Le son du jeu est très fort, mais comment ça? Bon, je le baisse un peu, mais il y a l'audio ducking normalement. Salle du trinket. Ah oui. Small Rock. Ah, l'empereur. Excellentissime. Le problème, c'est que maintenant que j'ai le double objet en item room, le dernier étage, j'aurais envie de le faire. On pourra... Oh. Non, merci. Vu la luck qu'on a sur ce run. Ah bah super. Ah oui. Ah bah ça va pas être... Ah oui, bah voilà. Ouais. Ouais, bah ouais. De toute façon, le devil deal, voilà. J'ai bien fait de pas acheter l'autre truc. Ah oui, ça glisse. Alice, ça glisse. Ah bah génial. Oh. C'est vrai que ça fait plaisir de voir ce double objet quand même. Hein. Ah. Ah oui, c'était 75... Oh. Eh ben... Quel plaisir. Le martifouette. Oh bah là. Bon d'accord. Ah oui, c'est vrai que si on serait arrivé sur ce boss avec le colombin, ça aurait été légendaire. Ah, dommage. Ah bon. Hop là, deuxième piqûre et de la vitesse. On est très content. Trois clés, ouais, vas-y. Oh non. Oh, oh oui, bah oui. Il est toujours à chier le mendiant des bombes. J'ai pas forcément envie de risquer le mendiant démoniaque. Oh. Vas-y, je vais y feed quelques bombes. Au pire, il va péter ses potes. C'est tout? Tout le monde le déteste. Ah, il donne à chaque fois. Hein.
t'en donne encore une. Non, encore une. Bah ok, c'est vraiment un merdeux. Hein. Bon, du coup, on pourrait jouer énorme flemme. Ça me sert à rien de les défoncer. Non, non, mais on s'en fout. On n'a pas besoin de ça, en vrai. La run est gagnée. Oh bah. Oh là là. Mamacita. Enfin, une curse room qui vaut le coup. 13-28 de dégâts, quand même. Hein. Sur ce build un peu bizarre. Sacrifice room, non, oui ça... Ah oui putain, ouais. Du con ! Nul à... C'est quoi ça ? Un récepteur de cœur permet d'avoir jusqu'à 18 points de vie. Bravo ! Un peu tard. De toute façon, oui, on n'aurait jamais... C'est pas un run où on allait avoir 56 points de vie. T'as 18 points de vie avec Placenta, c'est la belle vie, hein. Une bombe. Voilà ce que j'espérais, secrètement. De toute façon, c'est le dernier étage, là. Oh là là. Quel plaisir, hein. La carte. Ah, superbe. DPS. D'accord, c'est chiant. Oui. Merci. Moi, j'ai cru qu'on allait arriver avec un cœur bleu au boss. Peut-être là. Donc pas double mum, hein. Bon bah c'était tout mignon ce challenge. On a vibré. Vas-y, je te mets du Meat Boy là. Vas-y, défonce tout. Voilà, colle-toi. Mets la max. À la foutre. Voilà. Oh, c'était free, hein. Très bien. Et voilà. Un secret de plus. Voilà, c'est gratuit, c'est rapide, c'est efficace. 27 minutes 50, du jamais vu sur cette chaîne. 49 secrets nous séparent de la vraie fin. La fin des fins. Des bisous YouTube.